Bonjour tout le monde, on se retrouve pour la, je pense, 7ème vidéo sur Skyforge. Alors je m'excuse déjà si parfois vous allez entendre des bruits derrière moi, genre de voiture, de camion, etc. C'est parce que j'ai la fenêtre ouverte, voilà, c'est très intéressant. Alors on peut voir en même temps, tant qu'on est ici, qu'il y a de nouveaux petits trucs qui sont débloqués, genre Ildoki, l'archipel de Saiban, voilà. Mais nous sommes ici pour continuer notre quête, donc... Nous allons continuer notre quête, en plus nous allons faire une recherche de groupe, c'est très très facile à voir, il paraît difficulté très facile, donc ça devrait aller, et c'est très rapide, ça c'est cool. Bon, malheureusement on l'a déjà fait en vidéo, mais il faut que j'y retourne à voir pour ma quête, donc on va y retourner, mais cette fois-ci on va être accompagné de personnes, comme ça, ça ira largement plus vite. Alors hop, voilà, allez on y va les gens. Allez, alors nous avons une cryomancienne et une cryomancienne. Donc voilà. Ça va aller plus vite. Alors j'espère que vous allez bien. Moi ça va, bon. J'ai pas hyper bien dormi. Mais on fait avec. Alors il y en a une qui ne fait rien. Mais bon. Ce n'est pas grave. Bon, il y en a une qui ne fait rien. Bon. C'est pas grave, ça va aller vite quand même. Récupérer les objets. Ah, là voilà, l'autre. Bon, c'est pas terrible de se retaper un endroit. Bon, c'est pas vraiment un endroit qu'on a vu. En fait, c'est la même ambiance, mais on ne l'a pas vu totalement, il me semble. Je sais pas. Bon, si, je ne saurais pas dire, en fait. Mais bon, on suit la suite de l'aventure, puisque c'est dans l'aventure qu'on va débloquer les trucs les plus intéressants, comme par exemple notre forme divine, etc. Donc c'est assez intéressant de le faire. J'avais même pas vu le monstre là. Heureusement que qui sont plus réactifs que moi. Bon, c'est pas chier, hein, attaque de base, hein, ça marche vachement bien. Alors, premier genre de boss. Voilà, alors mon rayon de glace ou je sais pas quoi est pas terrible au final. C'est pas vraiment comme je m'attendais. Ah, c'est quand même beaucoup plus rapide à plusieurs. Hein. Plus rapide, plus sympa. Ouais, vous avez raison, on va faire les attaques qui lag. C'est une bonne idée ça. Enfin, c'est pas que ça lag, c'est que... Si tout le monde le fait en même temps, c'est un petit peu saccade. Voilà, c'est tellement mieux comme ça, j'aurais dû toujours choisir de les faire en groupe. Parce que sinon, c'est vraiment trop long. Voilà. Bon, c'est vraiment intéressant de refaire les aventures et les zones et tout ça, parce que... On a besoin en fait de ce qu'on récolte dedans. J'ai oublié que j'avais ce sort là moi. Alors on a besoin de ce qu'on récolte dedans. Donc il faut les faire. Alors la personne l'a déjà activé. Voilà. Moi je me fais pas chier. Hein. J'ai envie que ça aille vite. On a déjà vu cette zone. J'ai pas envie de la revoir un milliard de fois. Bon, j'essaye de suivre les gens, mais... Mais les personnes vont un peu à gauche, à droite. Bon, c'est vraiment un avant-goût... un petit truc de départ, puisque on l'a déjà vu. Donc, voilà. On voit comment ça marche, en tout cas, de faire un truc avec des gens. Ah, j'ai pas de... Ma cible se dissible, je n'aime pas ça du tout. Voilà. Un objet, bon c'est un objet de merde. Mais c'est mieux que rien. Alors, comme je vois, vous n'avez pas vraiment des sorts différents de moi, vous avez la même chose quoi. Mais bientôt dans l'Atlas, j'ai un peu avancé, on pourra débloquer d'autres trucs. Donc on verra bien. Parce que oui, c'est grâce à l'Atlas aussi qu'on débloque les autres classes. Donc c'est intéressant de le faire.
Ouais, ils vont vraiment au but, quoi. C'est pas plus mal, hein. Alors, Taïmian Prestation et Ryan Caffrey. Ok, voilà les pseudos des gens. Ouais, c'est vraiment bientôt le boss ici. Non, c'est un boss, ça. Ah ouais, je m'en souviens, c'est celui qui avait un bouclier et tout. Et qui avait l'autre. Ouais, ouais. Ouais, je m'en souviens. Ah, c'est tellement plus rapide. C'est tellement plus cool comme ça. Parce qu'en solo, c'est... c'est un peu chiant. Comme ça, c'est sympa. Moins lourd. Bon, on va mettre notre truc ici. Ah ouais, d'accord, ils l'ont déjà défoncé. Ah, ils ont même pas switch en fait. Je pense qu'ils sont restés en focus dessus. Bon. Oh. C'est bien comme ça. En tout cas, j'aime bien ce système de recherche de groupe. Un peu à la WoW. Entre guillemets. C'est vraiment un truc qui me plaît. Moins de prise de tête. Anneau de force, 12. Vivement vraiment avoir des nouvelles compétences. En fait, c'est pas vraiment de nouvelles compétences, c'est plus de nouvelles classes. Parce qu'en compétences, comme on voit, il m'en manque pas, pas tellement. Après, c'est vrai qu'on peut avoir d'autres compétences quand on regarde la liste. Ouais, quand on y est. Quand on regarde les aptitudes, bah, j'ai encore tout ça. Donc, ouais. J'en ai encore quelques-unes à obtenir. On a fait la même chose. Alors vous avez 659 et 879-79 de prestige. Donc il y en a un qui a un peu moins que moi. Il y en a un qui a un peu plus que moi. Bon, c'est assez peu la différence. Ça va, on est dans le même délire, quoi. Voilà. Eh, tout le monde go sur le boss. Ah, c'est celui qui évoque des petits machins. Alors hop. J'ai V aussi. Ah ouais, c'est vrai, j'ai mon nouveau sort V que j'ai oublié. Faut que je reste de dessus. Ah, j'ai pas encore utilisé ce sort là. J'espère qu'il va pas une mort dans 10 secondes, sinon je serai pas l'utiliser, mais je ne pense pas. Alors, allez, un petit peu. Je crois qu'il faut rester appuyé, je suis pas sûr. Voilà, alors qu'est-ce que ça fait? D'accord. Ça a l'air sympa. Ça a l'air sympa. Bon. C'est tellement plus rapide. Tellement plus agréable. Et voilà, bah c'est déjà fini. Parfait. Rang S, génial. C'est génial. Ah, j'ai oublié de ramasser l'objet sur le sol. Merde. Bon bah tant pis. Puis j'espère que ça comptera quand même. Ouais. Non, c'est vraiment mieux comme ça. Parler aux témoins ayant vu le fossoyeur à Pornaoui. Merde. À moins qu'il soit ici. Parce que s'il fallait que je lui parle là-bas... Non, si. Oh merde. Voilà, j'ai eu un bouclier, le truc qui... que franchement, ça m'est un peu égal. Mais je vais aller voir si maintenant je peux rendre... Bah, continuer ma quête. Sur le PNJ, je suis passé à côté. Le truc, c'est que... bah, il voulait pas me parler. Donc je me suis dit que ce serait après avoir tué le boss. Nous allons voir. Et oui, c'était effectivement après.
Bah, j'en ai mis du temps en fait, c'est parce que je l'avais fait, j'avais oublié de venir te parler. Donc excuse-moi. Oui, oui, bah vas-y. Ouais, ouais. Dis-moi ce qu'il faut faire, dis-moi s'il faut tuer, moi je vais là. T'inquiète pas. On s'en chaud. I've told the story 100 times. Maybe you'll be the one to believe it. So, the grave digger. That guy is no monster. You know what I think? He's actually a victim. This guy. En ce moment, c'est que les sous-titres sont pas vraiment sur ce qu'il dit. End of the road for me. I'm about to punch out. Go join my ancestors. But then he lets me go. He just stands there, shaking his head. It was like. La voix non plus ne colle pas avec ses lèvres aussi. Mais bon, ça a détail. Looking at me in the damned eye, like he wanted forgiveness. I ran. I didn't even know what to think. Maybe he isn't an enemy at all. Just a beast caught in a trap. Ça peut soulever des questions. T'es vraiment que tu n'as pas de voix là. D'accord, tu continuais à parler dans. Ok, ok. Envoyez le rapport avec les déclarations du témoin sur l'élite à l'aide du terminal qui se trouve à l'observatoire divin. D'accord. Alors, file-moi mes récompenses. Et évidemment, nous avons fait un super rang. C'était un rang point douté. Allez, temps de chargement. Pop, hop. Plus vite. Allez. J'ai pas les temps de chargement. C'est normal, vous voulez me dire dans un jeu, mais... Je trouve pas ça génial. Alors, j'ai eu quoi? Cela, là est toute la question. 75 était un sale bonus, oui. Alors, bouclier, mais ce n'est pas pour moi. Des petits anneaux, mais ils sont... Enfin, ils sont nuls, tous. On va démanteler tout ça. Parce que... Il n'y a rien de bon. Et ça sert à ça. Hop. Voilà. Voilà. Alors ceux-là. Celui-là est tout nul. L'autre un peu mieux, mais je ne sais pas ce qu'il vaut quand même. Donc voilà. Aptitude. Ben, normalement, on n'a rien de neuf. Hein. Peut-être augmenter mon arme principale. Oui. Voilà. Rien d'autre, par hasard. Non, normalement non, hein, j'ai pas assez. Ah si. Voilà, bon, on a augmenté un petit peu quelques trucs. Voyons voir l'atlas de l'ascension qui ne veut pas s'afficher. Ok. Je disais donc l'atlas de l'ascension. Alors il me faut de la destruction et je n'ai pas de destruction. Ça ne va pas du tout. Alors le truc, il fait vraiment sombre là d'un coup. Ça, on n'était pas très loin. Donc je rends ça et on se quittera. Alors bien sûr, évidemment, ils vont me dire ouais, vous n'êtes pas connecté truc. Bon, c'est pour un peu de game de roleplay en fait. Parlez à Erida. Ouais, Erida. Est-ce que je te parle maintenant? Est-ce que je te parle plus tard? Alors, on va quand même te parler maintenant. Allez, allez. Allez. On verra bien ce que tu nous dis. Peut-être que tu nous lanceras dans une nouvelle aventure. Petit rollback en passant. Les nuages s'amoncent au-dessus d'Aelion. Ok, je te demande ce qui s'est passé. Moi, tes lèvres collent un peu mieux quand tu parles, toi. Tu es mieux faite que l'autre. Ok. Ouais, proposer de fouiller partout. Partout. Mais vos yeux ne suffiront pas. S'il faut soyeur, et bien sur l'île d'Oki, nous devons y installer une caméra de surveillance. La patience peut rapporter plus que la force brutale. Ok. Ouais.
aller à l'île d'Oki. Eh bien, l'île d'Oki sera pour la prochaine fois. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Portez-vous bien. C'était Val sur Skyforge.